le sommeil entre dans le réveil. Quitte le sommeil, entre dans le. Quitte le sommeil, entre dans le ré. Que cela te touche. Dans le chapitre du livre des Proverbes, dont un extrait a constitué la première lecture, on nous dit que la femme vaillante n'a pas un sommeil profond. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Proverbe 31, 15, 18. La deuxième lecture, parlant de la parousie, ces jours du Seigneur qui viendra comme un voleur dans la nuit, va dans le même sens. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. 1 Thessaloniciens 5, 5 à 6. Dormir, c'est agir comme le troisième serviteur de l'évangile de ces jours. Il reçut un talent et fit un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Dormir, c'est oublier que Dieu attend pour notre propre bien des intérêts, des dividendes, des grâces reçues de lui. Dieu attend des intérêts. Il dit, il fallait placer mon argent à la banque. J'allais le retirer avec quelque intérêt. Dieu cherche les intérêts. Dieu cherche son intérêt dans ta survie. Tu es en vie. Tu n'es pas mort hier. Tu es en vie aujourd'hui. Quel est l'intérêt de Dieu? Quel est l'intérêt de Dieu dans le fait que tu sois vivant aujourd'hui? Tu as un mariage. Tu es dans un mariage. Quel est l'intérêt de Dieu dans ce mariage? Est-ce que Dieu tire des dividendes de ton mariage? Ah, c'est papa, je lui ai donné la femme. Ils ont eu des enfants. Les enfants l'a pris. Les enfants là sont aussi des chrétiens, sont des croyants. Voilà l'intérêt. Heureusement que cette femme s'est mariée. Heureusement que cet homme s'est marié et que ses enfants prient. C'est à mon avantage. Les enfants sont dans la chorale. Voilà l'avantage. Les enfants sont dans la chorale. Je regarde ici Marlène, l'enfant de maman Émérance et papa Albert. Donc, il y a avantage. Amen. Voilà les intérêts, les dividendes de grâce reçus. Tout ce que Dieu nous a donné. Dieu, c'est pour notre bien. Les dividendes, là, ce n'est pas pour lui, c'est pour nous. Parce que quand il donne, il dit, je te donne le mariage, ma fille. Moi, j'ai donné le mariage. Développe. Dieu ne donne pas de prêt-à-porter. Dieu te donne seulement, il n'y a pas de take-away chez Dieu. Dieu te donne pour que tu ailles préparer. Dieu te donne des graines. Tu dois les semer. Tu dois les arroser. C'est ça les talents. Tout ce que je t'ai donné là, c'est pour ton bien. Quand tu as un travail et que tu en fais profiter beaucoup de gens, je te bénis encore davantage. Quitte le sommeil. Ça dit travail. La femme vaillante se réveille la nuit, c'est pour travailler. Travaille avec tout ce que Dieu. Dieu t'a donné ta beauté. C'est un talent. Exploite-la. Arrange tes cheveux. Soigne ta démarche. Dormir, c'est cacher le talent. Et cacher, c'est gâcher. Dormir, c'est écrire notre histoire à reculons. C'est refuser de progresser, de grandir dans la foi. Lisons les textes qui viennent. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi. C'est le talent qui est en toi. Et qui t'a été donné par prophétie. Avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. 1 Timothée 4, 13 à 15. Les progrès d'un chrétien doivent être évidents. C'est ça, faire fructifier les talents. Progresser. Ne fais pas du statu quo. Tu es toujours au même point. Il faut que tu grandisses. Ah, il a grandi. Il pensait comme ça. Toi-même, tu te rends compte. Non, j'ai grandi. J'ai pensé comme ça. J'ai reçu la grâce du renouvellement de la pensée. Je pense autrement. Je vois le monde autrement depuis ce jour-là. Et parfois, c'est un enseignement qui change. Toi aussi, ça peut être aujourd'hui.
Ça veut dire aujourd'hui. Que tes progrès soient évidents. C'est ça les talents. J'ai reçu ceci. Que mes progrès soient évidents dans tous les domaines. Mon travail, mes études, mes enfants, mes relations, mes grâces. J'ai dit, si tout est grâce, alors tout est aussi intérêt de Dieu. Oui, si ça c'est une grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Ah, si tout est grâce, donc Dieu veut que de toute grâce que tu as, il puisse tirer des dividendes. Il puisse tirer des intérêts. Alors, tu dis tout est grâce. Donc, dans chaque chose qui t'arrive, cherche à ce que Dieu y trouve son intérêt. C'est ça qu'il veut. Le talent que je t'ai donné, tu pouvais le mettre à la banque. Je pouvais avoir les intérêts. Moi, je veux que tu me dises, tu m'as donné un talent. Moi, j'ai gagné un autre talent. Tu m'as donné deux talents. Moi, j'ai gagné deux autres talents. Tu m'as donné la moitié d'un talent. Moi, j'ai gagné l'autre moitié. Dieu t'a donné beaucoup. Non. Ce que Dieu t'a donné là, fais-le fructifier. Tu n'as pas besoin de faire, oh, je voudrais faire comme la faiblesse. Non. La faiblesse a ce qu'il a reçu. Je voudrais faire comme tel. Tel a ce qu'il a reçu. Toi, tu as reçu deux talents, tu as reçu cinq talents, tu as reçu un talent. Fais fructifier ce que tu as reçu. Dormir, c'est dormir sur ses lauriers. Ne plus fournir des efforts, c'est contenter de ses victoires et titres de gloire. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Luc 3, 8. Non, nous sommes des catholiques. Et nous sommes ceci. Je suis acolyte, je suis servant. Non! Produit des fruits dignes de la repentance. Produit des fruits conformes au talent reçu. Dormir, c'est cesser de travailler. Alors le texte dit maintenant qu'il ne faut pas cesser de travailler. Heureux ses serviteurs que son Seigneur trouvera tout occupé à son travail. Je vous ai déjà dit que c'est l'évangile qui a été lu le jour de ma messe de prémisse. Luc 12. Je ne sais pas comment Dieu m'a donné ça. C'est le texte que moi j'ai lu à toute messe de prémices. Heureux ce serviteur que son maître trouvera occupé de la sorte. Femme vaillante, qu'il te trouve en train de faire fructifier ce qu'il t'a donné. Soyons donc une église réveillée, une église au travail. Heureux ce serviteur que son maître trouvera occupé à son travail. L'attente de la parousie, c'est le temps des fourmis. Le temps des fourmis. Le maître n'est pas là. Il est allé en voyage. Va vers la fourmi paresseuse. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Proverbe 6, 6 à 8. Tu n'as pas besoin d'être surveillé par les pasteurs. Jésus est parti en voyage. C'est ça que dit les textes. Le maître est parti. Il t'a laissé les talents. C'est le temps des fourmis. Tu ne le vois pas, mais travaille comme s'il était là. N'attends pas qu'il soit là pour te contrôler. Toi-même, tu dis, c'est la responsabilité qu'il m'a laissé. Il m'a laissé beaucoup d'argent. Il m'a laissé beaucoup de talents. 5 milliards, 5 talents. 2 milliards, 5, 2 talents. 1 milliard, 1 talent. C'est ça qu'il m'a laissé. Je dois gérer ça. Je dois lui rapporter des bénéfices. Il faut que quand il revient, je puisse lui dire, tu m'as donné, voilà ce que j'ai fait. Que mon rapport soit positif. Jésus va revenir. Il faut que nous puissions lui donner le rapport. Et le rapport portera sur l'apport. Qu'est-ce que tu as apporté? Seigneur, j'ai apporté ceci. Toi, tu m'avais donné ceci. Voilà comment je l'ai exploité. Tu m'as donné une voix. Tu m'as donné un ministère. Tu m'as donné la santé. Voilà à quoi je l'ai destiné. Avant de nous endormir dans la mort qui nous conduira à l'éternel port, préparons le rapport sur notre apport au corps du Christ. Ce qui manque aux détresses du Christ, je l'achève dans ma chair en faveur de son corps qui est l'Église. Sacrifie-toi.
que de ton sacrifice sointe les bénéfices de Dieu.